à suivre également Briançon-Angers. On aura Mulhouse-Bordeaux. Concurrent direct avec Nice pour cette fameuse 8e place qualificative pour les playoffs. Cham qui recevra Cergy, ce ne sera pas une mince affaire non plus. Nice-Anglette, Grenoble-Amiens et Gap face à Rouen. Ouais. Et donc, pour vous dire des Finlandais qui se sentent. C'est Anglette là, qui prend l'engagement. Ouais. Makela, qui est un des deux Finlandais de, d'Anglette. Là. Anglette, il y a deux Finlandais. Baguine là. Oh, Baguine, même qui s'y met aussi, lui, Baguine là. Et on l'a rarement vu faire des erreurs comme ça. Ah, Baguine, là. Une petite erreur technique hein, qui a failli coûter le... ah, ouais, là, c'était... l'ouverture du score. Ah, là aussi, là, c'est... Oh, là, oh, il est en plein dans le slot. Ben, heureusement que Romantic est dans le match. Parce que là... Aros Amena qui a voulu reprendre dans le slot. On frisait deux fois la correctionnelle. Là. Oh, et là, c'est... Oui, mais voilà, quand c'est deux, trois fois, là, après... Makela. C'est Makela, le Finlandais, là, qui a trouvé l'ouverture. Une belle lucarne du revers, là. Du revers, exactement. Ouais. Et ça faisait un moment qu'ils étaient sur un temps fort Anglette. Et ils ont fini par trouver l'ouverture, ça a fini par payer ces vagues successives là d'agresser Romantic finalement. Et surtout que ça sort pas à côté niçois, donc après, non, ils n'arrivent pas à sortir. Ah, c'est deux coques qui a une grille là, je pense qu'il a eu un petit problème à mâchoire. On se remet pas avec une grille à son âge s'il n'y a pas un petit problème. Ah, c'est ça. Mais là, attention, ils sont deux là, voilà, ils sont beaux. Bon, bah, voilà, ah, il est bien revenu, il a bien rattrapé, il s'est bien rattrapé. Il s'est bien rattrapé là. Ah, bien Carpentier joué, qui n'arrive pas à sortir. Makela qui est le buteur. Le buteur qui renvoie dans le fond tout le monde là. Remet au pressing les Niçois. Là, il remet en plein sur Makela. Makela qui ne peut pas éviter Prou là qui l'a suivi. Pour le bloc. Attention de Coq là. Ah, bien joué de Coq. Hein, parce qu'il fallait revenir là pour se trouver une. Un shoot là. C'est serré, attention, il y a un moment fort là encore à Rosamena qui est. Ah ouais, bah là il est complet à Rosamena. Et il est encore là derrière. Ouais, là. Il récupère, il récupère. Ah oui, et il... ah oui, et il trouve deux coques. Il trouve deux coques à l'embuscade là. Oui, en plein dans le slot. Et, dans le slot hein. Et malgré que Romantic la touche, ça va au fond. Là ça se complique pour les aigles. Hein. Ah, ça se complique parce qu'on voit pas de solution en fait. Ouais, pour l'instant, ils sont pris dans les étaux. Dès qu'il y a des moments forts, c'est ultra dangereux. Et ils n'arrivent pas à se rebeller, les Niçois là. Pourtant Romantic, il était masqué sur le shoot, je pense. Il la touche quand même, mais ça passe, il la touche de la crosse, ça passe entre les jambes. Mais bon. Il y a quand même. Heureusement qu'il n'y a rien parce que déjà 0-2 c'est compliqué. S'il y a un saignement ou quoi sur une action comme ça. Ouais, voilà, bel arrêt de Hardy, premier shoot de Kopta et on est à... C'est un grave engagement qu'ils ont pris propre là. Oh là, ah oui, et voilà, le délai dévié. Il est dévié, alors je sais pas s'il est dévié par Anissois ou par... Je pense qu'il n'est pas dévié du tout, il est allé direct, ici, il voit rien, il voit rien, il voit rien du tout. Et Kopta, il est... Il est malin parce que c'est vraiment spontané. Hardy s'attend vraiment à un jeu de Kopta soit sur la bleue et il a déjoué les pronostics. Il a fait un peu une inspiration. Sur une inspiration là. Ouais. Bravo Kopta. C'est sur un engagement là. Un deuxième shoot là. Bon peut-être dévié. Oh Rorschach. Rorschach c'est. Ça c'est un la cage directe, hein. Ça peut exactement, le faire. Exactement, hein. Il est très spontané. Alors, il est hyper Chac, spontané. Là. Oh, le grand pont là, mais... Il y avait... Chabert, ça rentre, ils sont à deux. Ouais. Ouais, mais Sweeney là, qui vient faire le ménage. Il a des grands compas, Sweeney. Ouais. Ça sort de côté. Là, Carpentier. Ouais, Carpentier qui va... Crête qui remet à Carpentier. Oh, le jeune là. Le jeune Vitak qui met un super shoot. C'est la même action que Kopta tout à l'heure. Hein. Ils ont pas. Vitak là qui signe après un beau but que j'ai vu à Anglette là, qui était pas mal du reste, à angle fermé, pas facile à mettre.
Là, celui-là, il est pas mal aussi. Hein. Et il a pris Hardy dans sa concentration, hein, parce que je pense qu'Hardy, là... Hardy doit s'en vouloir un peu, sur celui-là, parce qu'il est pas masqué. Non, il est pas masqué, et c'est dans la spontanéité. Il devrait mettre un peu plus de trafic devant le but, là. Ah, ce qu'il devrait personne, faire, c'est surtout faire jouer Carpentier centre. Ah, voilà, c'est parce ça, il y a Carpentier qui est devant, là, c'est bon, là. Oh, Et voilà. Oh là là, parfait, parfait. Ah, vraiment génial, parce et voilà, que... le 4 contre 3, oui, qui a payé, là. Il a payé Hardy et Furax. Et il est magnifique, hein. C'est magnifique le 1-2 entre Crête et Carpentier. Carpentier, ouais. Et Ponce, il est énervé, Ponce. Parce qu'il y a eu un buzzer, en fait. Ouais, il y a eu un coup de sirène, mais je sais pas, mais je pense pas qu'il puisse annuler là-dessus. Là. Hey, ah, ça t'oblige à t'arrêter, regarde, Hardy se remet dans la cage. Moi je pense que c'est pas fini. Il y a quand même les deux capitaines qui discutent, mais bon. Ouais, il y a eu un buzzer. Face à Romantchik. C'est Vassiliev qui s'y colle. Alors un duel russo contre russe-slovaque. Il va doucement. La méthode, la nouvelle méthode. Ah bah c'est à côté. C'est mal tiré. C'est Romantchik qui le sort. Hein. Ouais. Il a vraiment dévié. Tu crois qu'il a dévié? Ah oui, il l'a dévié, c'est sûr. Ah ouais, ah bah oui, moi je. J'ai vu la trajectoire du palais. Ah, il met un jeune, hein, regarde. Il met le il a des mains. Allez. Ouais, mais c'est surtout il est en feu, il a marqué. Ah, lui, je pense qu'il va marquer. Tu vas voir, il marque là. Eh ben non. C'est mal tiré. C'est mal tiré. Tu vas dessus. Alors, ça c'est ton ami. Là. C'est qui ça? C'est le deuxième Finlandais. Un des deux Finlandais. Ouais. Toivonen. Oh là 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 là. Alors, c'est un bel arrêt, mais il la lève pas. Il la lève pas. Bravo. Ah non, il l'a levé. Hein. C'est, il avait sur la botte, oui, mais enfin bon. Qui met le coup de scorpion. Oui, mais ouais. Si c'est sous la barre, il ne peut pas la chercher. Oui, c'est sûr. Ah, Crête qui est... Ouais. C'est à côté, là. Je pense pas qu'Hardy l'a touché, là. C'est à côté. Eh ben, on n'est pas couché. Je te dis, ils peuvent sortir de prison, moi. Allez, Gégéris. Face à Romantchik. Lui peut marquer, lui. Ah bah là, il s'est dribblé tout seul. Bon, mais on est dur, hein, quand même. C'est surtout le geste rageux de Romantchik. Ah bah lui, il est à fond. Il veut la gagner, sa série. Ah, qui récupère le... Alors, côté niçois, qui sait qui s'y colle? Ils veulent pas y aller. Ils veulent pas y aller. Ah c'est Baguine. Alors Baguine, il est bon là-dedans. Milou. Il est bon Baguine c'est là-dedans. Milou. Il est bon Baguine dans ce genre d'exercice, c'est il est ça. Bon. Normalement il est bon. Il est bon. Mais en face il y a un client. Hein. Il y va doucement, il accélère au dernier moment. On va voir ce qu'il va nous faire, Emile. Normalement c'est gagné. Hein. Ah, il accélère là. Non, là, ah oui, il va doucement là, et hop, tac, 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 et voilà. Non, bah là, c'est pas du grand Emile. Non, mais tu peux y aller doucement. Il faut y aller doucement, mais après, il faut accélérer la fin. Il faut avoir les mains. C'est ça le truc. Non, il a les mains, Emile, mais là, je pense qu'il est... Tarantino, donc l'expérience là. Ça joue l'expérience côté. Alors lui, il y va. Alors, il y va à l'ancienne, assez rapide. Ah, il l'a eu, il sait pas comment. C'était mais bien joué quand même là, entre les jambes là. Mais il l'a pris. Ah, c'est pas passé loin. Il le sait, Tarantino, c'est pas passé loin. C'est quoi, c'est le quatrième celui-là, troisième? Quatrième. Là. Quatrième. Ouais. Il en reste deux. La Kopta qui est en grande forme en ce moment. Oula. Perdu. Eh ben oui, mais le palais était sur la tranche. Déjà, il a perdu une fois, le palais sur la tranche, était déstabilisé. Ouais, je pense qu'il y a... Eh ouais, Rossamena. Alors lui, attention. Rossamena, donc ouais. Ils ont joué les deux derniers tireurs, c'est l'expérience, là, côté anglette, là. S'il le marque, c'est gagné. Hein. Et c'est à côté.
Oh là 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 là, il a tiré sur le haut. Hein. Ils avaient tous shooté un peu. Non, en bas. Ça c'est le cinquième. Mais cinquième, oui, c'est sûr. Si Bonnardel marque, c'est gagné. Exactement. Ah, voilà. Exactement. Tu as tout à fait raison, Jean-Hubert. Là, allez, maintenant. Lucas Bonnardel pour la balle de match. Ah, bien joué Hardy, il ne s'est pas livré là. C'est... Ah, et voilà, c'est reparti pour la mort subite là. Il sera dur à battre Hardy, il sera dur, il est dans son match, il est très calme. Il n'a pas bougé, hein. Il attendait. Voilà. Ah, ils inversent. Donc c'est à Nice de jouer là maintenant. C'est à Nice de prendre le lead. Ça hésite côté niçois là. Il n'y a personne qui veut aller shooter ou quoi? Alors. Ah, il retourne Baguine. Ah, Baguine, il y retourne. C'est Baguine qui retourne. Emile, il s'est raté la première fois. Est-ce que ce coup-ci... Ah, oh, punaise. Il a ah mis ouais, où là il l'a bien embarqué. Mais il a mis à côté. Il a raté, ouais, il a raté. Il a raté, ouais, c'est ça, parce que là, il était pas hardi. Il était pas hardi sur ce coup-là. Il l'avait embarqué. Ah ouais, il est colère, Emile. Et qui c'est qui nous met là? C'est qui là? Vassiliev, le russe là. Lui là, il a... Ah, il va doucement. Et oui, et c'est bon pour Vassiliev. Ah, c'est ça. Et puis c'est bien. Fini, c'est deux points pour Anglet, un point pour Nice. Alors, bon, j'ai pas le classement en tête, mais bon, c'est quoi qu'il arrive, c'est pas la meilleure opération du soir pour Nice. Ah non, c'est pas la meilleure opération, surtout que tu penses gagner ton match ah ouais, bah ça, c'est sur sûr. Un coup du sort, ils étaient déjà partis au resto. Et finalement, là, c'est Anglet, bon. Exactement, tu perds un point sur un coup du sort, un buzzer. On pense à Bonnardel aussi, l'action là, des deux poteaux. Mais bon, ouais. Globalement, quand même, Anglet est venu chercher la victoire parce qu'ils ont... Les deux premiers tirs, ouais, Anglet était devant le troisième, Nice est bien revenu, mais bon. Ils ont eu énormément d'occasions. Bon, ce qui confirme ce que j'ai dit, ça va être une grosse bagarre pour avoir cette huitième place là, qualificative. C'est sûr, hein, pour aller se prendre Grenoble en plus. Je suis d'accord avec toi. Ça va pas être simple. Je suis d'accord, hein, ça risque d'être très compliqué. Ah, on va voir. Alors okay. Sur Anglet, tu paries sur quoi, toi? Sur qui? Anglet, moi je dirais le gardien. Ah, moi je dirais Hardy, c'est sûr. Hardy. Il n'y a pas de souci. Il y a Mulhouse. Hein. Et côté niçois, je mettrais le nouveau là. Ouais, carrément aussi. Je suis Dijak. Mulhouse qui a battu Bordeaux et ils reviennent sur les talons de Nice. Ouais. Cham s'est fait battre chez lui par Sergi. Ouais, bah, c'est bon. Il y a statu quo et Angers a gagné à Briançon. Et donc Anglet au pénalty face à Nice. Grenoble à Pôle Sud mène 1-0 face à Amiens. Et Rouen égalisé à Gap. Un partout. Ah, c'est Arasamena hein, qui va. Bah, moi j'aurais mis Hardy quand même parce que franchement. Carrément. Hein. Bon, après c'est les coachs qui décident. Ouais. Ah, Brinko, il n'en croit pas à ses yeux, Brinko. Il est toujours dans la frustration. Ah ouais, bah ouais, c'est sûr que là. Je vais dire Zach, quand même il marque le but du 2-2. Ouais, j'aurais mis. Il fait un bon match en plus. J'aurais mis Romantic parce que franchement il fait. Et voilà, ah bah, j'ai eu un sur deux quand même. Hein. Ouais. Ouais, c'est notre ami Yacoub Tizak. Les sangliers, qui les sangliers. Pense à sa première bouteille d'huile d'olive. Voilà. Allez, écoute, il goûtera l'huile d'olive niçoise. Bon, et voilà, voilà. Bon, on va vous souhaiter une bonne soirée. Ça a été long à Nice ce soir, mais je pense que vous avez eu un beau match. On dit quoi? À demain? Bah, à demain, oui. À demain pour moi, c'est sûr. Pour voir Amiens. Pour voir Amiens. Contre Amiens. Ouais, c'est ça. Et voilà. Amiens qui va défier les Niçois. Et ils auront besoin d'un bon... d'une bonne nuit de sommeil pour récupérer. Allez, bonne soirée à tous les abonnés de Tatite.